Émission Catéchisme de l'Église catholique. Émission Catéchisme de l'Église catholique, un espace réservé à l'explication de la doctrine de l'Église catholique sur tout ce que l'Église professe dans le Credo, célèbre dans les sacrements, vit dans le monde et prie dans sa vie quotidienne. Bonjour et salut, chers auditeurs et chères auditrices de la Radio Maria. Beno Bankundi ya Luzolo, Bayaya Bampangi ya Dibundu. Ina kena kuwa beto na mbanza ya Pointe Noire pe na mbanza ya Nkai. Pisika nyonso ina Radio Maria ke na kuluta na basinga ya yao. Beno yamba mbote ya beto. Beto kisala na beno mutindu katesheza. Samu na mbandukulu ya ntangu ya ya karema. Ya mifuwa nati beto nyonso kuzaba. Yinki logikmo kele chemin de croix. Parce que ya kele mutindu rituel ya dibundu ya beto ya katolika. Mukina kuzonza tuka buwala ya Nkai. Et je me présente au nom de l'abbé Jacques Nkombo Ngukulu. Je suis en mission pastorale comme vicaire à la cathédrale Saint-Louis de Nkai. C'est de là que je vous fais cette catéchèse. Question pour nous tous, sinon pour vous tous, d'avoir quelques notions ou de nous souvenir de quelques connaissances sur ce que signifie le chemin de croix. Niya wina beto ke landila. Malongi ya beto, katechese ya beto, samu na diambu ya chemin de croix. Nous nous sommes fixés un devoir alors, en ce début de carême et à la veille du premier chemin de croix pour cette année 2023, de nous faire une catéchèse comme de cela est déjà dit sur le chemin de croix. C'est un exercice important pour que nous puissions nous refaire nos connaissances pour certains. Baina mezaba tete tete mbote mbote yinki kele chemin de croix mbambayi na mwandambu ya beto na kati ya katechese yayi ke bakula diaka mfunu ya yao. Et peut-être pour d'autres découvrir samuti mingi ya beto ke kwenda ka konsontangu na chemin de croix kasi bazaba ve wapi mutindu ya bandilaka ya kele na bandambu yikuwa mpe banani bandaka yao e wapi nsasa to mfuno ya yao na luzingu ya beto ba kretien to ba croyant de manière générale. Alors nous sommes fait donc un petit plan ya beto ya kele na bitini iya. La première partie nécessairement on va définir et donner le sens du chemin de croix. La deuxième partie, nous allons donner quelques récits historiques. Nakuzaba, wapintangu ya bandaka, pe wapikisika ya bandaka, pe wapimutindu, yame kumena beto te nantangu yayi, nabamvula yayi, nakati ya dibundu ya beto ya Kristu, vula vula dibundu ya katolika. Na kitini ya zole, bende kita la organisation ya chemin de croix, nakati ya bastation pe nandambu to kitini ya iya dernière partie pe doke epengle importance funu sasa ya chemin de croix na luzingu ya beto na beno ba chrétien. De sa définition, on peut dire que le chemin de croix est un acte dévotionnel privé ou communautaire pour commémorer la passion du Christ. Il est le symbolisme de la souffrance de Jésus-Christ de Jérusalem au calvaire, du tribunal de Pilate au bas de la ville jusqu'à Golgotha, la via dolorosa, c'est-à-dire la voie de la douleur. Chemin de croix, yakele, nintangu yina, beto nabeno ba Christu, to beto nabeno ba chrétien. Kelandaka mpasi ya mfumu ya beto Yesu Kristu
nakubambuka moyo na mpasi ya yandi. Nakubambuka moyo na yine antalaka ya imbi samu na beto. Nakuvuanda sika mosi na yandi na kati ya mpasi yina. Yakele mutindu souvenir. Yakele mutindu commemoration. Ya nyoso ina Yesu Kristu kutanaka na kubanda na mbanza ya Jerusalem te na Calvaire na suka ya mongo ya Golgotha. Beto simbati na kilumbu yango babandilaka na yandi na tribunal ya Pilate. Kisika ina bamefundisa yandi, bamepose yandi ba question, bamesosila yandi mambu ya luvunu. Alors que yan salaka ve mambu ya imbi na ntoto yai. Na kilumbu ina bame inventé comme ils ont voulu des motifs. Bame inventé comme ils ont voulu des chefs de condamnation pour que bakudzwa mambu ya kubwila yandi pe ya kufwa yandi. Parce que évidemment, samu na bau yan vanime kuma motindu dérangeur. Parce que il venait pour remettre en place mambo inavuandaka ya imbi. Pila mositi kudedikisa mambo inavuandaka ya imbi na kati ya kinkulu ya bajwif na mbanza ya Israel to na buwala ya Jerusalem. Voilà pourquoi yandi bandaka mpasi ya yandi, yandi bandaka pasyon ya yandi na kati ya tribunal ya Pilate te bame desonde na insi ya mbanza ya Jerusalem na kumonte diaka na Calvaire na nsuka ya mongo ya Golgotha. E bat kisola kisalaka latin kibukila yawu la via dolorosa. Pila mositi nzila ya mpasi, pila mositi nzila ya souffrance, la voie de la douleur, la voie de la souffrance. Voilà un peu samu na definition ya yawu. Ni mambo ina betu mekanisa na kutuba samu na katechezi yai. Nous pouvons noter que le chemin de croix est un acte dévotionnel privé ou communautaire. Tu peux faire ça ngemosi. Tout comme na sala yawu kintuwa na bampangi ya dibundu na paroisse et même na kati ya bimvuka ya beto. Tout cela est permis pourvu que betu commémorer mpasi inatalaka Yesu Kristu. Pourvu que peut-être commémorer mpasi ina Yesu Kristu zingaka samu na kuvukisa beto na masumu ya beto. Yakele kuandi symbolisme samuti beto keleve Kristu yandi mosi kasi mutindu ba Kristu ya fioti fioti beto na benompe beto kele na muswa to devoir ya kulutila na nzila ina na kutuba kimbangi ya beto na yanzi na kulakisa lukwikulu na luzolo ya beto na yandi, yandi mutukele kivukisi ya beto. Après avoir défini ou dégagé le sens du chemin de croix, il est important pour vous et nous d'avoir quelques notions sur les données historiques, comme on l'a déjà dit dans le plan. Question de connaître le chemin de croix a commencé comment? Le chemin de croix a commencé quand? Avec qui ce chemin de croix a commencé? Et comment il est parvenu jusqu'à nous à se maintenir jusqu'à notre période. Wapi mutindu chemin de croix bandilaka ya bandaka wapi kote na wapi ntangu pe banani bandaka yau wapi mutindu ya mesalati tu kantangu ya bandaka ya vuanda ya kuma na beto pe ya vuana beto mutindu rituel mosi ya bidimbu ya lukwikulu ya beto toki mbangi ya beto na luzolo ya Yesu Kristu. Alors, les chrétiens de Jérusalem devraient se retrouver chaque vendredi saint
pour commémorer, comme on l'a déjà dit, la douleur de leur sauveur. Yesu biga gave di bundu kasi na nyonso ina salaka na luzingu ya yana ntoto yayi ya di mebelusa bantu mingi ya di mesala bidimu na bimangu bantu mingi salaka kiminu na yandi pe kwikilaka na yandi ina yandi mekufua bazapotre mebaka motindu rele notamment l'apôtre Saint Jacques le Majeur, celui qu'on appelle par l'évêque de Jérusalem. Pendant que les autres apôtres étaient partis en expansion à travers les nations, Jacques devrait rester à Jérusalem pour maintenir la foi, pour sauvegarder cette richesse laissée par Jésus. Et toujours est-il que par rapport à sa mission, par rapport à son travail, nombreux devraient croire, nombreux devaient venir à l'église comme une église naissante au milieu de Jérusalem. Voilà pourquoi Pakuzuaka dibanza yantangu nyonso yankonso mvula nakilumbu ya vendredi saint nakilumbu ya passion mutidu anniversaire ya kilumbu na kufuaka mfumu ya bau Yesu Kristo bavandi kutana samu na kusambila samu na kubanza mpasi ina Yesu Kristo mfumu ya bau talaka samu na kusosa kulandila bampasi yango ni yawi na mpe dibundu ya beto ya katolika mebasika na mbanza ya Jerusalem mekuma te na Rome avec la paix accordée par l'empereur Constantin. Nous sommes, je crois, en 312 ou 313, lorsque l'empereur Constantin accorde la liberté de prier aux chrétiens. Ba umpe nakati ya kilengiina, nakati ya liberté ina pesaka ba au Constantin. Il se sent donc donné rendez-vous ya kukwenda ka nkonso mvula na Jérusalem, na kona talaka, na kona commémorer ba mpasi ya Yesu Kristo. Et ce n'était pas seulement pour commémorer la souffrance de Jésus-Christ pour le vendredi saint, mais ils avaient aussi le but de faire comme un pèlerinage pour visiter tous les lieux saints par lesquels Jésus est passé et par là où il a posé des actes salvifiques. Voilà pourquoi nous sommes dans les années 300. Peut-être 320 sinon plus, et même 350. Vous en dites Kwenda de temps en temps dans Jérusalem, peut-être une fois par année, na Kwenda non seulement commémorer Bampasi ya Yesu, na Kilumi ya Vendredi Saint, mais il devrait aussi passer na ba site, to ba lieu nyonso, ina mfumu ya beto Yesu Kristu lutilaka. Beto si madiakati ba franciscain, ya kele kinkunku ya mipelo ya Eglise Katolika. Ni ba ubatu kujuaka dibanza ya kukwenda na Jerusalem u na Terre Sainte na kwenda kukengidila pe kusala bunkete na bisika nyonso yina Yesu Kristu sadilaka pe lutaka. Pila mosi on les appelait par les gardiens de la Terre Sainte. Voilà pourquoi on nous demande chaque vendredi saint de faire la quête qu'on appelle la quête impérée. Cette quête a pour destination la Terre Sainte. Mais c'est effectivement na kupesa maboko na bayina kujuaka kiyeko ya kusadisa pe kusadila basite nyonso yina. Ceux qui font de temps en temps des tours à Jérusalem pour des pèlerinages peuvent en témoigner. Ces sites par là où Jésus est passé sont restés très propres, sont très entretenus. On peut citer par exemple Golgotha, kisika inaba komaka Yesu pian fuaka. On peut citer le Saint Sépulcre, na kati ya ditadi inaba zikaka toba kundaka mvumbi ya Yesu. On peut citer aussi le lieu de la Sainte Seine, kisika ina Yesu Kristo na mbale antete kabulaka na bilandi ya yandi pe kabulaka na bilandi ya yandi dimpa na malafu samu tia kukuma nzutu na menga ya yanti. On peut aussi citer le lieu de la multiplication de pain
Kisika ina Yesu Kristo dikilaka mafunda tanu ya babantu kaka na mampa tanu pe bambisi zole. Voilà un peu le devoir que nos frères franciscains s'étaient donné de conserver les lieux saints, d'entretenir ces lieux pour que yaku zingila, yaku vuanda te nantango yai. Et à partir du 14e siècle, les franciscains, pour la première fois, se basant sur ce que les chrétiens de Jérusalem devaient déjà faire, et même les pèlerins qui quittaient la Rome antique pour Jérusalem, nakwena commémorer un passé à Jésus Christ, va me imaginer ce qu'on appelle aujourd'hui le chemin de croix. Kumbu ya chemin de croix, yantete basikaka na sika ya franciscain. Les chrétiens de Jérusalem le faisaient, mais sont pourtant nommés ou dénommés. Les gens de la Rome antique devraient partir à Jérusalem pour ce pèlerinage, mais sont pourtant nommés ou dénommés que c'était le chemin de croix. C'est donc avec les franciscains, les missionnaires de la Vierge Marie, qui se sont arrivés là-bas avant le 14e siècle. Et à partir du 14e siècle, ils ont imaginé un chemin de croix et l'ont diffusé, mais encore de manière désordonnée. Ce n'était pas ordonné comme on le constate maintenant. Il y a Vuanda qui avait un ordre. Il y a Vuanda qui avait motivé dans le salaire, il y a eu un balumbu, il y a eu un tango, nakuyidika chemin de croix, nakulanda nzila, comme je l'ai dit, à partir ya boloko, to ya tribunal ya Pilate, te na montagne ya Golgotha, kisika ina Yesu Kristu bakomaka yandi. Voilà comment ce que le chemin de croix a commencé. Les franciscains viennent finalement avec ce rituel de chemin de croix à Rome pour donner aux pauvres et à ceux qui ne pouvaient pas avoir la possibilité d'aller à Jérusalem au pèlerinage, baumpe nakosala mutindu pèlerinage baou kasi sur place. Yavuanda ka samu nakupesa occasion to possibilité na bawelo mpe babat nyos panaka ve na lubaku ya kukatuka na Rome kukwenda na mbanza ya Jérusalem na kwenda landila nzila ya santu ina Yesu Kristu tadilaka mpasi ni ya wina ba franciscain kuizaka na chemin de croix pour la première fois na Italie na Rome samu na kupesa ba u possibilité. Et ceux qui ne pouvaient pas effectuer le pèlerinage de Jérusalem étaient donc contents de manifester leur dévotion. Avec la bénédiction du pape Innocent XI, en 1686, nous sommes au XVIIe siècle, yandi pesaka ba ou muswa yakunata yao. Yandi pesaka ba ou muswa yakutula yao nakati yabayinzo ya nzambi ya ba ou ba franciscain kaka. C'était seulement donné à ce que ce chemin de croix ou ce rituel soit posé dans les églises entretenu par les franciscains eux-mêmes en Italie ou bien à Rome. Bethomé Luta na ntangu ya Clément, pape Clément XII, yandi mutu lombaka à ce que chemin de croix na voie na kuinstalle na kati ya bainzo ya nzambi nyonso, na kati ya ba oratoire, na kati ya bisika nyonso, to ba lieu de pèlerinage ina bantu nyonso lenda kusambila. Ce n'est pas seulement dans les églises entretenues et organisées par les franciscains, mais avec le pape Clément XII, le chemin de croix sera installé dans toutes les églises de Rome, dans les oratoires et dans les lieux de pèlerinage. Mais avec une condition, que seul un franciscain devrait venir installer ce chemin de croix au lieu indiqué. Kaka ni ba franciscain, voanda kanamuswa yakuiza tula yao, parce que c'est eux qui devraient le monter, c'est eux qui devraient le fabriquer, c'est eux qui devraient l'installer, par exemple, dans une église ou bien dans un lieu de pèlerinage. Bethomé Kuma, na mai 1742, ou bien mai 1742, nous sommes donc au XVIIIe siècle. Le pape Benoît XIV
réglemente l'érection des chemins de croix en tableau, croix en bois, scène de peinture et en 14 stations. On constate que Betovanime Kuma to Betokele na chemin de croix en 14 stations, na moi ba tableau, ya ba peinture, na ba croix fixé, na bi baka, ya ba yinzo anzambu ya Beto, to na bi sikati salaka, ba chemin de croix na ba pèlerinage ya mutindu na mutindu, ya kele ni pape Benoît 14, je dis bien Benoît 14, à la différence du Benoît 16, ya kele pape Mosivé. Peut-être qu'il est déjà dans le 18e siècle, et donc on comprend que c'est Benoît 14 et non Benoît 15, et non Benoît 16, pardon. Donc, il y a des mots tout ça comme soit à ce que le bah, chemin de croyina, kouvouanda, nakati, yabayinzo yanzambi nyonso, comme déjà le pape Clément XII, mais cette fois-ci, avec les tableaux, avec les croix en bois, obligations en bois, avec des scènes de peinture, et organisé en 14 stations. On peut par là comprendre que le chemin de croix ne peut pas être défini seulement, comme on l'a dit en amont, que c'est cette commémoration que le chrétien devrait s'organiser pour, comme en matière de dévotion, pour accompagner le Christ dans le chemin de la souffrance. Mais c'est aussi cet ensemble de matériel. Il y a voanda tableau, il y a voanda croix en bois comme on l'a dit, il y a voanda bima nyon soyina, que ça là, que il y a voanda koumna chemin de croix. Le chemin de croix peut se donner aussi à définir comme l'ensemble de matériel, bah statuette, bah peinture, tableau en peinture, bah crucifix ou bien bah croix en bois. Donc ce n'est pas seulement ce cheminement, ce n'est pas seulement cet acte de le faire, ce n'est pas seulement cette dévotion ou cet exercice spirituel, mais c'est aussi l'ensemble du matériel, il n'avait de ça de là qu'à chemin de croix. Mais jusqu'alors, c'est toujours les franciscains qui doivent l'installer ou le poser dans les églises ou dans les lieux de pèlerinage. En 1862, Bethlehem Kuma, dans le 19e siècle, le Saint-Siège autorise à tout prêtre de pouvoir l'ériger dans leurs églises, et cela dans toutes les églises du monde entier. Ni dans le 19e siècle, donc nous sommes en 1862, que Rome, to Vatican, à travers le tumu ya pape, pesaka muswa na mabundu nyonso ya kusala yao na kati bas églises nyonso ya kusadila yao. Et yamekuma diaka veka kaba franciscain. Lena kuta tulewa na kichaba inzo anzambi, kasi mupelo ni mupelo. Vula vula ba kure, wanimukuma na musuwa ya kusala ya umpe na kati mabundu ya bao. A partir de là, on reconnaît alors la grâce de cette dévotion, bien qu'à ceux qui font le pèlerinage, qu'à ceux qui ne font pas le pèlerinage à Jérusalem. Bueso, ya dévotion, ya chemin de croix. Bueso, il y a exercice de piété et chemin de croix. Il y a quelqu'un qui a dit que dans Jérusalem, kasi y a un homme qui a dit que dans le monde, il y a un homme qui a dit que dans le pays, il y a un homme qui a dit que dans le diocèse, il y a un paroisse, il y a un homme qui a dit que muntu ni muntu kelanda nzila ya krusu, nzila ya santu ya krusu à travers ce cheminement. Lera kutambula mpe babueso ya mutindu na mutindu.
Mutindu beto wanuku wayawu na mbadukulu pe na kati ya plan ya beto. Beto mezonzi la mambu ya definition na kuzaba yinki kele chemin de croix. Beto mezonzi la naba done historique na kuzaba wapi mutindu ya bandilaka pe kuminaka na beto te na ntangu yai. Awa beto batisi zonzi la organisation ya chemin de croix. Le chemin de croix est d'abord organisé en 14 stations. C'est alors à l'occasion du centenaire des apparitions de Lourdes qu'on a érigé un chemin de croix et on a ajouté la 15e station, Marie dans l'espérance de la résurrection. Depuis 1958, Ina dibundu kembilaka 100 ans ya bazapparition ya Marie na Lourdes. Comme cela se faisait depuis longtemps, ya vuandaka 14 stations. Ba ou na kilumbu ina, pe nantangu ina, banzaka na ku ajouter 15e station. Question de mettre en lien notre espérance à la résurrection en lien avec Marie qui devrait souffrir avec son fils jusqu'à la fin de sa vie. Alors, les 15 stations sont lesquelles? Jésus, première station, condamné à être crucifié. Pilate, n'a pas yandi, même manisa n'a pas kwamisa yandi, même manisa n'a kuzonsa yandi. Mema nisa na kuzonza niyo spazo laka na lozingu ya yandi. Ebyen, bame zengi la yandi lufwa. Jésus est condamné à mort. Mais la mort sur la croix. Mutindu muyibi. Mutindu kimpumbulu. Mutindu bandimosi. Mesala mvusu nakati ya bwala. Deuxième station. Jésus est chargé de sa lourde croix. Bame yidikila Yesu krusu. Ya dema ya kilo. Ame tula yandi yao na zulu ya mabeke samu na kutambula. On n'a pas eu la possibilité de chercher le kilométrage entre le tribunal de Pilate et le Golgotha. Mais on pense que ya vuandla quand même nzila yantama et notre Seigneur Jésus a souffert pour porter cette croix. Troisième station. Jésus tombe pour la première fois. Effectivement, comme on l'a dit, la croix était tellement pesante que le pauvre Christ, dans son humanité, bien qu'il avait aussi la divinité en lui, ne pouvait pas supporter le poids de la croix. Voilà pourquoi Yann Kubwaka Nambala Yantete. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Yandi Metala Mama Yandi Nameso. Mama metala mwana yandi na meso. Beno bakento, beno mezaba misonga kubuta. Et généralement, même quand on est conscient que l'enfant a commis un tort, a commis un forfait, a commis une bêtise, kutalati, yandi kutala mpasi na meso yange mama, yakele mambu yampasi. A plus forte raison pour Jésus, dont sa mère était consciente que son fils n'avait rien fait, regardez ou voyez un peu la douleur et la tristesse de la Vierge Marie à la rencontre de son fils chargé de la croix. Cinquième station, Jésus est aidé par Simon de Cyrène. Simon de Cyrène, il y a un peu de temps, il y a un peu de comme on le dit. Et voilà, il y a Pilate, mais bakayan de manière forcée na ku aider Jésus pambave parce que Jésus vonita la mpasi ya kulutila na kunata krusu ya yandi. Sixième station, Véronique essuie le visage de Jésus-Christ. Mama Véronique vuandaka mosi ya bakento vonilanda Jésus na mpasi ya yandi et yandi supporte vers douleur sueur kutukuta ya Yesu ni ya wina yani katulaka kitambala ya yandi kusunaka kizizi ya Yesu Kristu
ni kuna kizizi yango bikanaka mutindu dessin na kitambala ya Véronique. Septième station, Jésus tombe pour la deuxième fois. Kaka na pasi ya krusu salakati fumu ya beto Yesu Kristu kulemba diaka na mbale azole pekubwa. Huitième station, Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Beno mezaba, tobeto menyonso mezaba, pakentu yango, comme je l'ai dit, qu'il y avait des femmes parmi lesquelles Véronique, na pa Marie de Magdala, na ba yina nyonso vani landa Yesu na manima, vwani dila, samuti, pa vani supodeve na kutala, mpasi ya mfumu ya bau, mpasi ya kivukisi ya bau. Et de là, Jésus leur dit, femmes de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi, mais plutôt pleurez pour vos enfants. Beno dila na masumu ya bana ya beno. Neuvième station, Jésus tombe pour la troisième fois. Kaka nampasu yangu ya krusu, yina salakati Yesu Kristu kubwa nampala ya tatu. Dema ya krusu, dema ya masumu ya beto, dema ya mamu ya beto ya imbi. Dixième station, Jésus est dépouillé de ses habits et boit du vinaigre. Nikuna, bakatulaka yandi, balele yandi nyonso. Bame pesa yandi kaka mwa ki tende, ina kangaka na luketo, pour couvrir les parties les plus intimes. Bame bula, bilele yandi zeke, un tirage sort pour voir, nani ke baka ki yungu ya nene, nani ke baka kima, kima, kima yai. Et bame pesa yandi mpe, malafu ya ngayi, parce que il avait déclaré avoir soif. Onzième station, Jésus cloué sur la croix. Nyonso mesalama imeni, bamekuma na Golgotha, yamekuma ntangu yaku yadika yandi na zulu ya krus. La douzième station, Jésus meurt sur la croix. Après avoir fait des réclamations comme la demande d'eau, après avoir kulevoki la masumu yabayina salaka yandi imbi, en demandant à son père, père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Après avoir entretenu le dialogue avec les deux larrons qui étaient l'un à sa droite et l'autre à sa gauche, Yesu me bikaintu et kufoya yandi niyina. Treizième station, Jésus-Christ détaché et son corps remis entre les mains de sa mère. Kuna mama Marie, kena kutala adiaka, kena kubambuka mpasi ya miso ya kubuta mwana ya bakala. Et bame pesa yandi mvumbi ya mwana yandi mamboku ya yandi. Imaginons un peu la douleur et les pleurs de la Vierge Marie. Quatorzième station, Jésus est mis au tombeau par Joseph d'Arimathie, aidé par Nicodème. Niba ou bantu talaka mwenze Marie ya kiazi, bakaka mvumbi ya Yesu kwenda kunda yandi na mukala. Et la quinzième station, cette quinzième qu'on a dite, la station ajoutée à Lourdes en 1958 et plus tard entérinée par le pape Jean-Paul II, c'est pour manifester l'espérance de la résurrection avec Marie en croix. Manima ya kusite ba station nyonso ina avec la 15e, l'espérance de la résurrection avec Marie qui était au pied de la croix, beto masé kulakisa comme 4e et dernière partie mfunu ton sasa importance du chemin de croix
na lozingu ya beto na beno ba chrétien de manière particulière pe na lozingu ya ba croyant de manière générale ba ina nyonso peut-être que ba chrétien surtout catholique mais que ça la ki vuvu na Yesu Kristu mutindu kivukisi ya inza chemin de croix ya que les sommes na ku revivre événement se souvenir ou commémoration y a passé ina Yesu talaka comme on l'a dit. En faisant le chemin de croix, en suivant ce cheminement que Jésus a suivi, et donc nous les chrétiens, on se souvient, nous les chrétiens, on vient pour revivre l'événement de Jésus qui a souffert pour nous sauver. Chemin de croix, founou yaya ou nabetwa chrétien, c'est aussi pour s'identifier à lui comme baptisé. On nous appelle disciples du Christ ou bien alter Christi. Betome kuma moi ba Christu ya fioti fioti, betome kuma ba Christu ya nkaka et donc le chemin de croix nous permet de manière effective de nous identifier na yandi muntu kele ki vukisi ya beto. Chemin de croix, ya kele mpe mutindu action de grâce, c'est une manière pour nous de rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ qui nous a valu le salut par son sacrifice ultime. Na zulu ya krusu, yandi metala mpasi, yandi melembave samu na luvukulu ya beto, ya kele mutindu ya beto na beno, na kuvutula matondo na yandi samuti, yandi kele nyoso ya beto. Le chemin de croix, c'est aussi un recueillement de grâce. Ya kele mutindu kulokota babueso, kusala chemin de croix. Et notons que quand on va au chemin de croix, lorsque nous respectons ce rituel, lorsque nous avons notre cœur au jour ou à l'instant de cet exercice spirituel, peut-être que les grâces du chemin de croix, un peu comme les chapelets, un peu comme d'autres dévotions, ne sont pas automatiques comme ces grâces les sont dans les sacrements, parce que la théologie nous dit que les grâces des sacrements, j'ai cité le baptême, j'ai cité la confirmation, l'eucharistie, la réconciliation ou la pénitence, le sacrement de mariage, de l'ordre et le sacrement des malades, ces grâces sont automatiques quand on est dans ces sacrements-là. Je n'ai pas oublié l'eucharistie, bien entendu. Et on dit, elles sont ex opere operato, kasi babueso ya chemin de croix, mutindu rosaire, mutindu chapelet, mutindu ba dévotion ya kaka, ya kele par rapport na disposition ya lozingu, mpe ya bantima ya mosi na mosi ya beto. Chers auditeurs, chers auditrices de la Radio Maria, bankundi ya luzolo bana di bundu, beto mekulanda mbote mbote katechese ya beto na diambu metadila chemin de croix. Mekanisati mosi na mosi ya beto me kubakula mpe me kujua mwa diambu ya mbote na katechese yai. Ce n'est que de cette manière qu'on peut de temps en temps se rappeler de ce que nous avons appris à l'église à travers la catéchèse et puis ce que nous vivons dans notre église. Niyawina matondo matondo na beno nyonso mila na beto na basinga ya Radio Maria. Awa nankai munu mosi na kinzonzolo tata abe Jacques Nkombongu Kulu mesala beno catéchèse. Na diboko ya tekniki awa nankai tata Granel Delplace. Na coordination ya tata abe Obembumba Dikwa, yandi muntu kele directeur diocésain ya Radio Maria ya nkai. Beto ke vutula matondo na tata Gislain Maestro na ekipe nyonso ya yandi ya tekniko na Pointe Noire. Bao ba tume pesa beto place ya kuanime emission yai to catéchèse yai. Na beno nyonso inakila kulanda Radio Maria na Pointe Noire mpe na nkai, beno yamba matondo ya beto de manière particulière à son excellence Monseigneur Daniel Mizonzo, évêque Yankai,
à son Excellence Monseigneur Miguel Angel Olaveri, archevêque ya Pointe Noire, na ba bantu nyonso kepesaka maboko na kusadisa Radio Maria. On se retrouve pour le prochain numéro. Merci. C'était émission Catéchisme de l'Église catholique.